McCollum sur sa droite maintenant pour Robida. Robida derrière pour McCollum. McCollum pour Michel. Michel, remise près du filet pour Robida. Tiens, voilà le but. Justin Robida, un autre point sur la route. C'est un but cette fois-ci. Ouais. À 12:59 de la première période, 1-0 les Foreurs prennent les devants. Il avait même pas de rattrapage et les Tigres en ont pris l'habitude dans les derniers matchs là, d'allouer le premier but. Ouais. Mainville s'amène le premier, laisse à Sullivan. Sullivan devant lui pour Prichepov vers le centre pour Gorionov. C'est bien cueilli entre les deux défenseurs. Gorionov seul devant gardien de tir. Bel arrêt de la mitaine de Moineau. Oui, bel arrêt, là. Première chance de marquer des Tigres, mais toute une. Gorionov s'était faufilé et... Le Prichepov qui le fait, laisse à Sullivan. Sullivan, il va dans l'homme. C'est bien fait pour Gorionov. Seul devant gardien, Gorionov sortit. Et voilà le but! Good job! Les Tigres créent l'égalité. C'est 1-1. On a envoyé un lob dans la défensive des Foreurs. C'est pas la première fois qu'on le fait depuis le début du match. Et les Foreurs se retrouvaient seuls devant le gardien. Il en profite pour loger la rondelle entre ses jambières. Bien fait, habilement. On sait qu'il doit aller récupérer contre la rampe. Mise en échec par Pellerin. Passe. Michaud, ouf, qui attendait Blouin, là, le coup de semblait haut, là, qui revient à Pellerin, devant le filet, Sullivan, son lancé, bloqué devant, le retour, et qu'est-ce qu'on vient de rater comme chance chez les Tigres? Dans le coin, c'est... Avec Pio Roy utilisé, là, entre les deux cercles de mise en jeu. Alors, premier tir qui a été dévié, la rondelle qui est libre, dans l'enclave, on a tenté de remettre devant. Ouais, ça, c'est intéressant, ouais. Déroché, passe à Prichepov, Prichepov, s'avance, transversal, Gorionov, but au filet ouvert, et voilà le but, Gorionov, c'est son deuxième de la période. Bel échange là, entre Prichepov et Gorionov, ces deux-là se voient de mieux en mieux. Les devants en toute fin de période, et tout ça commençait avec une mise en jeu remportée. On était certain que Prichepov allait... Défenseur s'est avancé. Il évite le coup d'épaule de Bourranoumoué. Prichepov reprend. Prichepov devant lui pour Martin. Martin tente une longue passe au centre. Sullivan, il est seul. Devant le gardien. Sullivan, son tir. Arrêt. Le retour. Et voilà le 2. Justin Sullivan. Et c'est 3-1 les Tigres. Encore une fois, on a envoyé une rondelle dans la défensive des Foreurs. Et Sullivan a réussi à se distancer. Écoute, c'est le troisième échappé qu'on a. Avec 12 minutes 13 à faire à la deuxième période. 3-1 les Tigres. Et Sullivan qui prend son propre retour de lancer. Je me demande s'il n'y aurait pas eu un tir de pénalité là-dessus. Possible, mais on n'en aura pas besoin, Pascal. Les Tigres ont marqué. Et si je ne fais pas erreur, Pascal, là, c'est compliqué là, sur ce genre de jeu là, en profondeur. Il part Desrochers. Voilà Desrochers qui passe à Sullivan. Sullivan retourne à Desrochers. Desrochers. De la ligne bleue, sur sa droite, pour Sullivan. Transversal devant, Prichepov, et voilà le but! Nikita Prichepov! C'est 4-1 les Tigres! Quatrième point dans le match pour Prichepov, un gros but marqué pour les Tigres. Prichepov a eu amplement le temps, regarde là. Il est en perte d'équilibre, il réussit à marquer. Ça, c'est un gros but. C'est Michel qui rejoint maintenant. Michel a de l'espace devant lui, passe sur sa droite pour Robida. Robida remet devant le filet, tire, voilà le but. Les Foreurs qui répliquent, c'est 4-2. Ouais, regardez but. L'entrée de zone, cependant, Mathieu, c'était serré. C'était serré, mais si le but est accordé, là, c'est un. Là. Ça provenait du bâton de Justin Robida. Ouais. Le but est accordé. Ouais. Voyons voir là, comment les Tigres vont réagir. Voilà Michel, sur sa droite pour Robida, derrière pour McCollum. McCollum pour Michel. Michel sur sa droite, McCollum. Tire sur réception, voilà le but. Dans la circulation. Et les Foreurs qui réduisent l'écart à un but, c'est 4-3. Ouais, on avait réussi à s'installer. Tire à ras la glace qui trompe la vigilance de notre tendard. On va devoir se ressaisir du côté des Tigres. Tire de loin, arrêt de Darvaux. Le retour contre la rampe. C'est gardé à nouveau par les Foreurs, cette fois par McCollum. Disque envoyé le long de la rampe, c'était fleuré au passage par Darvaux. Et Michaud qui a été renversé derrière le filet. Provo reprend son tir. Oh. Voilà le but. Un rondel qui a défié à deux reprises. Et les Foreurs créent l'égalité. C'est 4-4. Aïe, aïe, aïe. On n'a pas joué de champ des Tigres. Ah. Un rondel qui a défié à deux reprises avant de se rendre au gardien.
Aïe, aïe. Ça dévie sur le gardien par la suite. Passe dans l'aile pour Sullivan. Ça mène à un contre un devant Doucet. Sullivan peut remettre de l'autre côté pour Prichepov. Une passe audacieuse. Et là, contre-attaque des Foreurs à deux contre un. Alexandre Doucet, ça mène dans l'aile. Doucet. Accroche à son tour. Remet devant le filet. Tire et voilà le but. Les Foreurs l'emportent. Ah, c'est dommage pour les Tigres. Celle-là va faire mal. On a 3 buts Pascal en deuxième période. C'est au 4e but.